假悲色意一起挂地 faça resplandecer seu rosto sobre ti te mostre sua graça e te dê paz. Bonjour chez vous. Nous voici dans notre chaîne MC Kalenga TV. Nous sommes dans la semaine de Pentecôte où nous aurons à parler du Saint-Esprit. Et nous commençons l'introduction avec le pasteur Freddy Mukutwa qui va nous lire dans le livre de Jean 1. Retenez, c'est le livre de Jean 1. On va nous parler sur le Saint-Esprit et de Jésus qui est agneau des dieux qui ôte le péché du monde. Bien-aimés, retenez bien, qui ôte le péché du monde. Je sais que vous serez vraiment bénis avec les orateurs qui passera tous ces semaine, tout ce mois ici, nous allons les dédier vraiment au Saint-Esprit. Raison pour laquelle je le salue. Bonjour Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse. Chers internautes et téléspectateurs de votre chaîne MC Kalenga TV, nous voici encore avec le pasteur Freddy Mukutwa sur ces grands sujets, la postérité de la femme. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Nous sommes à vous. Merci beaucoup. Et nous vous remercions encore une fois, chers amis internautes, et nous disons encore une fois merci à madame Andy Kalenga. Merci pour cette opportunité qui nous est encore accordée d'achever, pas d'achever, mais de chuter un peu avec ce sujet sur la postérité de la femme. C'est le message que le diable ne voudrait jamais écouter, il ne voudrait jamais entendre. Et nous revenons encore une fois aujourd'hui dans vos maisons au travers de cette chaîne pour parler sur ce sujet qui dérange un peu. Nous recevons vos questions, nous avons répondu à certaines questions sur les nets. Et Madame Andy a même proposé que toutes ces questions que nous avons, que vous envoyez, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par vos commentaires sur YouTube, elle a préféré que nous puissions faire aussi une émission dans laquelle on ne fera que répondre à ces questions. Et nous allons programmer les temps voulus. Mais par rapport à ces sujets, il y a d'autres pasteurs qui vont passer pour en parler. Et nous reviendrons encore pour tenir ces mêmes sujets. Et aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de chuter et que nous sommes dans la semaine de la Pentecôte, et nous voulons aussi, pendant que nous parlons de ce sujet, toucher un tout petit peu au Saint-Esprit. Parce que c'est la semaine où l'Église chrétienne faites la Pentecôte, et pendant cette semaine, nous profitons aussi pour toucher un peu au message sur le Saint-Esprit et cette Pentecôte-là pour que nous puissions comprendre. Et les grands sujets qui est en train de nous guider, ces grands sujets qui est en train de nous accompagner, c'est que le diable ne veut jamais, alors ne voudra jamais nous entendre parler. Ces sujets-là, c'est la postérité de la femme, et nous continuons à en parler. Et aujourd'hui, nous allons lire ensemble dans Jean et l'Évangile. Hein? Nous sommes dans l'Évangile de Jean. Et nous allons ensemble lire au chapitre 2. Je vais lire du verset 28 jusque là où je vais m'arrêter au verset 30, peut-être au 34. Ces choses se passèrent, comme dit la Bible, à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voici la présentation que Jean fait de Jésus. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas qui couvre le péché, mais il est en train d'ôter les péchés. Et vos questions liées au sang, nous avons répondu à certaines questions et nous allons continuer à répondre. Le sang, c'est le sujet capital de la foi chrétienne. La foi chrétienne est liée au sang parce que le message sur la postérité de la femme, c'est ce message-là qui met fin au travail du diable Satan. Et Dieu voyant le sang, ce travail-là n'aura pas d'impact. Et aujourd'hui, nous allons en parler. Le verset 30, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, le verset 31, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu
baptisés d'eau. Et c'est Jean qui dit, il est venu baptiser pour que Christ soit manifesté. Et le verset 32, Jean a rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau. C'est lui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Voilà le témoignage de Jean-Baptiste. Pourquoi je commence par Jean-Baptiste aujourd'hui, parlant de la postérité de la femme? Pourquoi je prends cet évangile de Jean? L'évangile de Jean, c'est cet évangile qui nous présente Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Et Jean, c'est le tout dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Tous les prophètes, c'est-à-dire tous les hommes qui ont travaillé, tous les porte-paroles de Dieu, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ne parlaient que d'une seule chose. Ils parlaient de cette bonne nouvelle que le Seigneur avait prononcée devant Satan, les serpents anciens. Cette bonne nouvelle, c'est que la postérité de la femme va lui écraser la tête et lui, il va mordre les talons. Et écraser la tête, comme je vous l'ai dit, écraser la tête, ça signifie qu'il termine le travail. C'est-à-dire qu'il met fin à ce travail. Paul a chanté pour rendre gloire à l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix. Et Jean-Baptiste, en présentant Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est la seule et l'unique présentation que Jean-Baptiste a donnée. Et il précise qu'il a vu l'Esprit descendre. C'est lui qui lui a dit de présenter Jésus de cette manière-là. Lui a dit que s'il voit l'Esprit descendre, c'est effectivement celui-là. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui est venu dans le monde et que l'Esprit est descendu sur lui de cette manière-là. Pendant qu'il sortait du baptême, Jésus a vu le ciel ouvert. Et Jean-Baptiste l'a aussi vu. Et quand le ciel s'est ouvert, du haut des cieux, la parole est sortie pour dire clairement, c'est lui-ci et mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est le Père qui a parlé. Et cette parole concerne Jésus et Jésus seul. Aucun homme depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste n'a bénéficié de cela. Et Jean-Baptiste a dit clairement que Jésus est plus grand que lui. C'est lui qui vient après lui est plus grand. Mais il précise, il m'a précédé. C'est la personne qui a existé avant que Jean-Baptiste n'existe, Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu, il est Seigneur, il est éternel, il s'est incarné. La postérité de la femme par sa naissance, comme nous l'avons dit dans l'émission passée, il est né d'une femme, pas comme tous les hommes naissent des femmes. La femme est sauvée en devenant mère parce qu'elle donne naissance, non pas par la vertu des hommes, mais par la vertu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie et Marie a porté l'enfant. Et cet enfant-là est lui-même Dieu. C'est Dieu qui s'incarne. Il n'est né pas, mais il s'est incarné. Et c'est la seule personne qui peut s'incarner. Il n'y a pas une autre personne sur cette terre qui peut s'incarner, qui peut porter la chair. Le diable ne peut pas le faire et tous ceux qui sont morts ne peuvent pas le faire. Il n'y a que Jésus et Jésus seul qui s'est incarné. Et en entrant dans le monde, quand il commence les ministères, l'histoire que nous venons de lire ici, c'est Jean qui en parle. Au début du ministère de Jésus-Christ, pendant que Jésus est sorti de l'eau du baptême, Jean a déclaré « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Quand je parle de la postérité de la femme, au fait, je suis en train de vous parler de votre péché qui n'existe plus dans ce monde. Prêcher sur le péché comme on le prêche, c'est mentir au nom de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit de Jésus qu'il a ôté les péchés du monde. Alors si Jésus a terminé son travail, c'est que le péché n'est plus dans le monde. Prêcher aux gens que le péché est dans le monde, c'est mentir, c'est revenir vers le diable. Le diable voudrait bien que nous disions aux gens que le péché est dans le monde. Le diable voudrait bien que nous puissions dire aux gens que vous êtes encore dans vos péchés. Le diable voudrait bien que nous puissions exprimer le péché dans le corps des humains. Bien-aimés, je suis en train de vous dire, vous qui croyez à la parole de Dieu, Jésus a ôté les péchés du monde. Il est cet agneau-là. Et voilà pourquoi je vous parle de la postérité de la femme. Voilà pourquoi c'est le grand message, le grand sujet et la bonne nouvelle même. Et c'est Jésus que nous célébrons aujourd'hui à la Pentecôte par son esprit qu'il a envoyé. Le Saint-Esprit est venu pourquoi? Le Saint-Esprit est venu parce que Jésus, étant mort à la croix, 3 jours après, il est ressuscité. Pendant 40 jours, il a été vu des humains. Il a parlé avec eux et il est monté au ciel. On l'a vu monter au ciel. C'est le seul homme qui est monté au ciel. Maintenant, quand il est arrivé au ciel, Hébreux nous dit qu'il a traversé les tabernacles. Non pas un tabernacle qui est fait de mains d'hommes, mais un tabernacle qui n'est pas de cette terre, un tabernacle éternel, un tabernacle spirituel. C'est le ciel qu'il a traversé. En traversant le ciel, Jésus est parti avec son sang. S'il y a quelque chose avec laquelle Jésus-Christ est ressuscité, c'est le sang. Jésus, en ressuscitant, il a changé de corps, mais il a toujours eu le sang. Thomas qui doutait, il a dit, si je ne mets pas mon doigt dans ses mains, si je ne mets pas ma main dans son corps,
je ne croirai pas. Et Jésus, quand il a vu Thomas, il est entré, Thomas était là, il lui a dit, avance ton doigt, mets-le dans ma main, et avance ta main, mets-la dans mon côté. Thomas a bien crié, mon Seigneur et mon Dieu. Pour ceux-là qui cherchent à comprendre si Jésus est Dieu, lisez Jean. Dans le chapitre 20, vous verrez que Thomas déclare clairement que Jésus-Christ est Dieu. Mais Jésus lui a dit, tu dis ça parce que tu m'as vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Bien-aimés, vous n'avez pas besoin de voir, vous avez besoin de croire. Croyez que Jésus-Christ a terminé avec l'histoire du péché. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et il a traversé les tabernacles célestes avec son sang. C'est lui le souverain sacrificateur et c'est lui également le sacrifice. Il est parti au ciel avec son sang. Pendant que je te parle, pendant que tu es en train de m'écouter, Jésus présente son sang devant son Père. Je vous ai dit la semaine, pardon, l'émission passée, je vous l'ai dit clairement, il y a beaucoup de sang qui ont coulé avant que le sang d'Abel ne coule. Beaucoup de gens ne parlent que du sang d'Abel, mais en lisant la Bible, vous ne voyez pas le sang d'Adam, le juste, qui a coulé pour que Ève sorte. Et le diable ne sait pas que s'il y a le sang, la personne est couverte. La tentation qui arrive après le sang, c'est une tentation qui est déjà faible. C'est une tentation qui n'aura pas de résultat. Là où on tente et qu'il y a le sang, il n'y aura rien qui va se passer. Il n'y aura pas de chute. Par rapport à Dieu, tu n'es pas condamnable parce que Dieu voit le sang. S'il voit le sang, il passe outre. C'est ça la Pâque. Et la Pentecôte vient 50 jours. 50 jours après la Pâque. Pourquoi? Parce que les Juifs célébraient la moisson. Ils célébraient le résultat de leur travail. Et nous, dans la Pentecôte, dans cette semaine de Pentecôte, nous célébrons la moisson, nous célébrons le résultat du travail que Jésus a fait. Jésus a accompli son travail au ciel. Il est arrivé, il a présenté son sang et son Père a attesté que c'est ce sang ici que je cherchais. Dieu ne cherchait pas le sang d'Abel parce qu'il l'a refusé. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus, il crie pardon. Quand Dieu voit le sang, le Jésus-Christ, c'est le pardon qu'il vous accorde, c'est le pardon qu'il vous donne. Quoi que vous ayez fait dans ce monde, j'aimerais vous dire, bien-aimé, vous avez le pardon par le sang de Jésus. Si vous croyez à cet évangile aujourd'hui, si vous croyez à cette parole aujourd'hui, vous êtes libéré. Si vous êtes possédé pendant que vous m'écoutez, je déclare la délivrance dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ, parce que son sang vous a déjà libéré. Par le sang de Jésus, nous avons vaincu. Qui est-ce que nous avons vaincu? Nous avons vaincu Satan. Et c'est Jean qui l'a dit dans Apocalypse. Ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Encore une fois, aujourd'hui, là où vous me recevez, vous êtes vainqueur. Je suis en train de déclarer sur vous que vous êtes vainqueur. Vous avez la victoire, non pas qui vient de vous-même, qui vient de ce que vous êtes en train de réaliser ou de faire, non pas qui vient de vos gènes et de vos dons. Cette victoire ne vient pas de là. Elle vient du sang de Jésus. Elle vient de la parole que nous sommes en train de témoigner. Comme Jean-Baptiste a témoigné, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pendant que je parle, vous n'avez pas le péché. Pendant que je parle, parce que vous croyez en Jésus, le péché a été ôté. Et si vous ne croyez pas et que vous vivez encore dans le péché, la bonne nouvelle est là. Satan a été vaincu. Satan a été vaincu. Qui ne vous trompe pas? Tournez-vous vers le Christ en ce moment ici. C'est la repentance, la vraie. Regardez à Christ. Ne regardez pas ce qu'on vous demande de faire. Ne payez pas des offrandes pour le péché. Ne gênez pas pour votre péché. Ne pleurez pas pour votre péché. Regardez à Jésus. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Quand vous le regardez, lui, Jésus-Christ, votre péché est parti. Et dès que votre péché est parti, vous bénéficiez également de ce don, le don du Saint-Esprit. À la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est pour attester que le travail de Jésus est fini. Comme le souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint et qui en ressortait et que le peuple applaudissait, que le peuple était dans la joie pour dire que notre sacrifice a été accepté. Aujourd'hui, je vous dis également, le sacrifice de Jésus a été accepté. C'est pourquoi le Saint-Esprit était descendu. Et dans la chambre haute, le Saint-Esprit n'a pas choisi. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des enfants, il y avait des vieux, il y avait des lettrés, il y avait des illettrés, il y avait toutes les races dedans. Je parle des races parce qu'un Africain était aussi dedans. Simon de Cyrène, c'est un Africain. Parmi les disciples de Jésus, il y avait aussi des Africains. Ce que vous devez savoir, le Saint-Esprit est descendu sur ceux-là qui étaient là, sur ceux-là qui se trouvaient là. Il ne regarde pas la race, que l'on soit indien, que l'on soit chinois, que l'on soit africain noir, que l'on soit blanc, que l'on
qu'on soit juif, le Saint-Esprit n'a pas regardé ça. Il est descendu sur tous ceux-là qui croyaient au message de Jésus-Christ, qui ne sont pas allés vers la religion, qui se faisaient au temple. Ils sont restés dans la chambre haute, attendant ce que le Père avait promis par la bouche de Jésus-Christ. Et pendant que je vous annonce ce message, Jésus a déjà tout achevé à la croix. Quand il disait tout est accompli, sachez-le que votre situation aussi était dedans. Il n'est pas mort pour lui. Il n'est pas monté à la croix parce qu'il avait péché. Non, il n'a jamais péché. Il a vaincu la loi à la croix parce que la loi disait maudit et quiconque est pendu au bois. Quand il s'est retrouvé au bois, c'est à ta place, c'est à ma place parce que c'est lui, l'agneau, qui ôte les péchés du monde. La croix est l'autel que Dieu a fixé. Et cet autel se trouve sur le lieu de Morija. Quand Abraham devait adorer, Dieu lui a dit d'adorer sur les lieux qu'il lui avait indiqués. Et les lieux qu'il lui avait indiqués, c'est la montagne de Morija. Et la montagne de Morija, pour vous qui êtes déjà allés en Israël, vous savez que c'est une chaîne de montagnes. Abraham est allé sur le faux endroit. Là où il a voulu offrir Isaac, Dieu a refusé Isaac. On a mis le bélier à la place. Or, la question c'était où est l'agneau? Ce n'était pas l'agneau. Abraham a échoué. Il a raté la cible parce que l'agneau devait être offert. Mais lui, il a offert le bélier. Et voici l'agneau. Jean-Baptiste se présente l'agneau. C'est Jésus. Et Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour nous. C'est lui la postérité de la femme. C'est lui le fils de Dieu. C'est lui qui ôte les péchés du monde. Et quand il est monté à Morija, même David, il a commis mais aussi cette erreur-là. En achetant l'air d'Ornane, là où on a construit les temples par Salomon, il croyait que c'était les lieux qui étaient indiqués. Mais ce lieu-là, ce n'est pas encore celui-là, c'était une montagne. La révélation était graduelle. C'est en Jésus-Christ que tout va s'accomplir. Golgotha se trouve sur Morija. Golgotha est sur cette chaîne de Morija. Et c'est Golgotha l'endroit. C'est Golgotha qui ôte les péchés du monde. Et encore une fois, aujourd'hui, je vous présente ce Christ-là, la postérité de la femme. Et le Saint-Esprit qui est descendu ne fait qu'attester cela. Le Saint-Esprit nous atteste, nous qui appartenons à Dieu, que nous sommes fils de Dieu. Il nous atteste que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit qui est descendu, il est également en toi. Pendant que je te parle, je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Pendant que je te parle, je déclare ta liberté dans le nom de Jésus. Pendant que je te parle, toi qui crois que tes péchés sont pardonnés, je déclare ta délivrance dans le nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit pendant que tu m'écoutes. Et si tu peux encore parler en langue, tu peux même le faire. Que le Saint-Esprit descende sur toi et que la grâce de Dieu soit sur toi. Nous sommes là. D'autres serviteurs de Dieu vont encore revenir sur ce sujet, sur cette même chaîne. Restez accroché sur votre chaîne Andy, MC Kalinga TV. Et je dis merci à Madame Andy. Et je dis merci également à tous ceux-là qui travaillent. Et je dis merci également à tous ces journalistes qui passent. Je vous dis également merci parce que vous m'avez reçu. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Yellow on a night. Oh, go to the yellow on a night.